Bienvenue sur les tutos références pas à pas de la médiathèque de Chambéry. L'épisode 3 vous permet de découvrir comment chercher à partir de différents critères. Vous pouvez en effet faire une recherche à partir de ce formulaire « Plus de critères » qui se trouve juste en dessous de la barre de recherche que nous avons utilisée dans l'épisode 2. Vous vous souvenez? Donc là, je vais cliquer sur « Plus de critères ». Et en cliquant sur « Plus de critères », j'ouvre un nouveau formulaire de recherche avec, par exemple, la possibilité de chercher à partir de tags références. Alors, qu'est-ce que c'est que les tags références? Ce sont des mots-clés, justement, retenus dans la base de données références. Si je clique sur la petite icône carré, j'ouvre à nouveau une petite fenêtre dans laquelle je vais pouvoir aller chercher un tag particulier. Par exemple, je voudrais voir ce que référence a retenu pour le mot tomate. Voilà, donc j'ai ici la liste alphabétique de tous les tags construits à partir du mot-clé tomate. Donc je peux choisir le premier et venir le coller dans ma barre de recherche. De cette manière également, je peux accéder avec la petite icône carrée qui se trouve ici à la liste des titres analysés, des titres de revues analysés dans la base de données référence. J'ouvre à nouveau une petite fenêtre où sont classés par ordre alphabétique tous les titres de revues analysés. Mais je reviendrai, si cela vous intéresse, à ce type de recherche dans l'épisode 6. Nous pouvons également chercher à partir d'un auteur d'article. Si par exemple, je tape Christiane Taubira, dans la barre réservée à la recherche auteur d'article, je vais chercher tous les articles écrits par Christiane Taubira qui auront été référencés dans la base de données référence. En voici la liste. Vous avez également la possibilité de rechercher à partir de mots-clés ou de titres d'articles. Vous avez la possibilité également de restreindre votre recherche à des revues pour des adultes ou bien à des revues pour les plus jeunes. Vous pouvez également faire porter votre recherche sur une année particulière de publication, si vous souhaitez par exemple chercher des articles publiés en 2008 uniquement. Vous pouvez également inclure ou exclure de votre recherche des critiques de livres, des critiques de films, des critiques d'albums de musique ou de spectacles. À vous de jouer à présent. À bientôt dans l'épisode 4 pour découvrir comment interpréter les résultats d'une recherche. À bientôt !